Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver, même masquée, pour poursuivre les explorations du laboratoire qui ont été un peu brutalement interrompues en mars dernier par le confinement. Donc merci d'être ici ce soir. Le laboratoire, il se positionne comme un observatoire critique des technologies pour nous aider à penser ensemble ce moment de vacillement et d'incertitude lié aux multiples crises qui nous secouent, qu'elles soient sanitaires, climatiques ou existentielles. Donc cet espace d'expérimentation, de recherche et d'apprentissage propose une programmation régulière et pluridisciplinaire avec des conférences, des projections et des performances. L'enjeu, notamment ce soir, c'est de donner une visibilité aux recherches artistiques et universitaires pour essayer de réinterroger nos habitudes de pensée et proposer aussi une boîte à outils pour agir collectivement au quotidien. Donc c'est particulièrement le cas avec ce nouveau cycle de 3 rencontres qui fait directement écho au thème de cette nouvelle saison qui est placée sous le signe de la régénération. Et donc comme premier exercice, on vous propose ce soir d'essayer d'imaginer ensemble ce que pourrait être une société qui ne serait pas basée sur la croissance économique, et de dessiner des alternatives qui ne seraient pas forcément le modèle Amish ou le retour à la lampe à huile, argument qui a été utilisé récemment donc par le président Macron pour dénigrer toute tentative d'opposition au déploiement des technologies 5G. Donc ces rencontres intitulées « Prototypes pour penser l'après-croissance », comme le suggère le titre, ont une dimension assez expérimentale, spéculative et requièrent votre participation. Elles ont été conçues collectivement par le collectif d'Isnovation, Pauline Briand, qui est dans la salle, Baruch Gottlieb, Julien Maudet et Clément Seurat, qui vont au cours de cette séance et des suivantes, les 8 octobre et 19 novembre, nous inviter à repenser un peu la manière de coexister avec notre environnement, à remettre en question certaines idées ancrées en expérimentant collectivement donc ces prototypes. Donc pour cet effort d'imagination qui n'est pas simple, on compte vraiment sur vous, sur vos remarques, sur vos idées. Donc merci encore une fois d'être là et merci pour votre participation active à cette proposition. Je vais juste rapidement présenter les intervenants et je vais les laisser après vous présenter leur projet. Donc le collectif artistique d'Isnovation est composé de Nicolas Maigret, ici présent, et Maria Roskowska. Et ils développent des enquêtes et des pratiques interdisciplinaires au croisement entre l'art contemporain, la recherche et le hacking. Le collectif crée des situations qui questionnent les idéologies dominantes comme le technosolutionnisme et la croissance infinie afin de stimuler les imaginaires et les pratiques post-croissance. Et en ce moment, ils présentent à Bruxelles, dans un lieu qui s'appelle IMAL, qui est un centre d'art numérique, une exposition dont ces rencontres sont en quelque sorte le prolongement, qui s'intitule Post-Growth, et que vous pourrez découvrir jusqu'au 17 janvier, et qui va sans doute voyager après en France, au 3 Bicef, à Aix-en-Provence. Donc, à leur côté ce soir, Pauline Briand. Pauline, si tu es là, tu te manifestes, là-bas, au fond, qui est journaliste et autrice spécialiste des enjeux environnementaux. Elle travaille pour Billboard, Ouzbek Erika ou encore le musée d'histoire naturelle. Elle a écrit sur la myxomatose, les forêts, le changement climatique, la disparition des insectes, l'évolution de la vie et l'anthropologie au-delà de l'humain. Julien Maudet, qui va vous accompagner tout à l'heure pour jouer ensemble à ce jeu qui est la première quasi-activation sous cette forme, conçoit des jeux de société comme outils de liaison sociale. Il crée des jeux et des dispositifs ludiques à caractère politique et satirique en s'appuyant sur l'actualité. Et Clément Seurat, que certains d'entre vous connaissent, puisqu'elle a déjà travaillé aussi à la Gaîté Lyrique, est programmatrice et éditrice. Elle investigue en particulier des champs de réflexion et d'action liés à l'écologie politique. Elle a été membre du programme d'expérimentation en art et politique SPIP, et elle a cofondé le collectif Coyote et la maison d'édition 369. Donc, au sein du Media Lab de Sciences Po, en ce moment, elle conçoit des programmations et édite les contenus pour Forecast. Et là, donc cette séance, il faut que je vous dise aussi, est streamée en live. Et aussi, je vous rappelle que le bar est ouvert au foyer historique, il est accessible, mais vous ne pouvez pas rentrer avec les consommations. Donc il sera aussi ouvert après cette séance, donc à l'issue de la rencontre.
Voilà, je passe le micro. Non, tu prends ton micro. À Clémence, oui. Merci Marie pour l'introduction et bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être là, masqué, pour venir nous écouter et jouer. Donc, j'ai commencé par un petit cadrage du projet Post-Growth, avant qu'on rentre plus précisément dans le jeu au fil de la soirée. Donc, notre point de départ, c'est le fait que les écosystèmes terrestres changent de manière irrémédiable. Et ça se passe en fait sous l'effet du développement des sociétés modernes et humaines. Et cela provoque une multitude de crises dont les conséquences se mesurent à l'échelle planétaire. Donc souvent mis en cause, la croissance économique demeure toujours invoquée comme un cap et un idéal sociétal. Il semblerait pourtant que repenser la manière de coexister avec notre environnement nécessite de sortir de l'accroissement continu de nos sociétés et de nos activités. Le projet de recherche artistique Post-Growth cherche à questionner cette croissance économique de manière critique. Il cherche aussi à esquisser des trajectoires vers une société où la croissance, l'idée de croître, ne serait pas le seul horizon désirable. Donc pour cela, nous avons réuni à la fois des concepts de chercheuses, des histoires d'activistes, des propositions artistiques qui invitent à concevoir des horizons au-delà de la croissance économique. C'est en quelque sorte une boîte à outils pour accompagner de possibles réorientations politiques. Donc pourquoi s'intéresse-t-on à cette croissance économique ? Car nous l'identifions, et nous ne sommes pas les premiers et les premières à le faire bien sûr, comme le dénominateur commun des crises contemporaines, qu'elles soient politiques, écologiques, financières ou même existentielles. Là, par exemple, la croissance du PIB demeure l'alpha et l'oméga des politiques gouvernementales. La croissance mondiale infinie se heurte quant à elle aux réalités matérielles du monde, en atteste l'extinction des espèces en cours ou l'épuisement des richesses terrestres. Donc le projet Post-Growth recouvre de multiples facettes et prend différentes formes selon les invitations que nous recevons. Expositions, débats, interviews, jeux et sites internet à venir. Et donc, à la Gaîté Lyrique, à l'invitation de Marie Lechner et du laboratoire, nous proposons un cycle de 3 dates pour à la fois partager, enrichir et questionner ensemble les recherches que nous avons menées. Donc, lors de la première séance, c'est-à-dire ce soir, nous avons choisi la forme du jeu, dont les aspects à la fois ludiques et collectifs permettent à la fois la circulation et l'appropriation d'idées que nous allons vous présenter. Et donc le principe ce soir sera aussi, en plus de jouer, de mettre en épreuve des notions clés que nous avons réunies et qui décrivent le capitalisme, ses principes fondateurs et son fonctionnement. Donc le jeu a été conçu, il reste très expérimental, mais il a été conçu pour nous aider en tout cas à ramener des idées abstraites qui peuvent paraître trop grandes à un niveau personnel, à notre échelle individuelle et même interpersonnelle en échangeant avec les joueurs qui sont autour de la table. La deuxième séance, qui aura lieu en octobre, elle viendra enrichir un corpus d'interviews filmées que nous constituons depuis l'an dernier et qui s'enrichit donc au fur et à mesure, et qui sera plus tard mis en ligne sur un site internet. Et donc nous avons choisi pour cette soirée d'octobre de nous attaquer aux imaginaires que porte la croissance et de présenter des récits alternatifs qui peuvent nous aider à changer nos logiciels de pensée. Depuis les débuts de la crise du Covid-19, les appels à penser le monde d'après se sont multipliés. Certains invitent à se saisir de la situation pour opérer une transformation écologique du mode de développement capitaliste et enclencher éventuellement une sortie radicale de ce modèle économique. Certains ont aussi appelé à déséconomiser nos sociétés, tandis que d'autres mettent en avant les avantages d'une société tout numérique, automatisée et sans contact. Donc on voit que l'arrêt de monde que nous avons vécu durant le confinement et le printemps peut susciter des imaginaires diamétralement opposés, et c'est le terrain que nous chercherons à occuper lors de cette séance, en invitant des voix qui déconstruisent la vision utilitariste d'une nature qui est souvent pensée comme un stock de ressources à exploiter. Et des voix donc qui bifurquent et qui réfutent les logiques d'optimisation et le solutionnisme technologique. Et enfin, en novembre, nous aurons une troisième et dernière séance qui s'appelle SolarShare, qui présente un modèle spéculatif qui se développe à partir de l'énergie solaire. Et elle part du principe que la modernité est comme dopée aux énergies fossiles, mais ce fait de fonctionner aux énergies fossiles fait qu'elle nie les contraintes matérielles du monde. Donc la proposition qui sera la nôtre en novembre s'appuie sur une série d'œuvres et de prototypes artistiques qui rendent visibles des ordres de grandeur, des flux d'énergie et des circulations d'énergie à l'échelle de la planète, et qui cherchent aussi à mettre en lumière la nature et l'étendue de ce qui n'est pas calculé et de ce qui n'est pas calculable.
Donc ces œuvres sont actuellement présentées à IMEL à Bruxelles, comme le disait Marie tout à l'heure. Et Nicolas, à qui je passe la parole, vous les présentera dans un instant. Merci Clémence. Donc je vais présenter un petit peu la genèse et les raisons de cette recherche. Donc effectivement, on s'intéressait depuis un moment aux visions critiques autour de l'innovation, de la croissance économique. Et à un moment donné, il est apparu assez évident que tout un ensemble de nœuds venait rejoindre les enjeux des crises environnementales qu'on est en train de vivre et les idéologies et la mise en pratique de cet idéal de croissance économique. Et donc on a décidé de faire de cette friction un projet de recherche et vraiment une manière de canaliser notre travail à travers différentes formes qu'on va vous présenter. Donc l'idée, c'était vraiment, avec un collectif élargi et un ensemble de partenaires, de venir interroger en fait ces zones de friction et ces corrélations très fortes qu'entretenaient les différentes crises qu'on est en train de vivre et la croissance. Les raisons en fait pour lesquelles on a vraiment commencé ça, c'est il nous semblait percevoir une croissance très forte en fait du niveau d'anxiété et de préoccupation autour de ces questions, avec une forme d'incapacité en fait à articuler et à débattre en fond, en profondeur en fait sur les causes et l'identification un petit peu des réseaux de liens entre les crises qu'on est en train de vivre et le reste du système dans lequel on évolue. Donc c'est vraiment devenu notre dynamique de recherche. Peut-être que pour introduire ça, on va vous présenter en fait comme trois notions qui aident à percevoir un peu comment ces deux régimes sont intrinsèquement liés. Donc une première notion, c'est cette idée qu'une transition serait en cours, ou que des transitions seraient souhaitables et que la transition est déjà en train d'avoir lieu, etc. Il y a cette notion assez forte que en fait, nous n'avons jamais, jusqu'à présent, vécu de transition énergétique, et qu'en fait, la rhétorique de la transition est essentiellement une perception médiatique. Mais si on regarde en fait, d'un point de vue de l'accumulation de nos appétits énergétiques à l'échelle mondiale, tout ce qu'on observe, c'est des accumulations, en fait, des additions de nouvelles sources énergétiques l'une par-dessus l'autre. Et en fait, ce qu'on considère comme renouvelable aujourd'hui, c'est vraiment les quelques pourcents qu'on voit tout au-dessus à droite. Et donc, en fait, on voit bien que pour remplacer en fait, toutes les énergies sur laquelle la société dans laquelle on vit actuellement repose, le mythe du renouvelable est assez complexe à entrevoir, et que peut-être ce qu'il faut entrevoir du coup, c'est plutôt des types de transformations beaucoup plus profondes que simplement une forme de remplacement énergétique strict. Je crois que Clémence voulait ajouter quelque chose. Ouais, peut-être, oui. Donc la transition, c'est un des concepts qu'on présente dans le jeu et dans ce corpus. C'est la carte là qu'on voit projetée transition, piège à con, et que vous retrouverez aussi avec le jeu. Donc on reprend ce titre d'une conférence. Enfin, c'est voilà, un titre un peu qui provoque et qui nous a amusé de reprendre. C'est une conférence de Jean-Baptiste Fressos, qui est un historien à la fois de l'environnement et de l'énergie, et qui, comme vient de le dire Nicolas, en fait, nous montre qu'on se trompe, enfin, en fait, que tout simplement il n'y a donc jamais eu dans l'histoire, en tout cas des derniers siècles, de transition énergétique, et que donc il n'y a pas forcément à aller la chercher à tout prix, et qu'on a tendance à voir en fait l'histoire de l'énergie comme quelque chose de linéaire, avec des types d'énergie qui se succèdent les unes aux autres, alors qu'en fait elles ont tendance à se cumuler. C'est une histoire qui est vraiment cumulative. Par exemple, il en veut pour preuve que le mix énergétique, donc c'est-à-dire nos différentes sources d'énergie, est à peu près stable depuis les années 80. Donc le pétrole représente quasiment 90%
en tout cas de nos sources d'énergie, alors même qu'on a produit beaucoup plus d'éoliennes, de panneaux solaires, et que les énergies renouvelables se sont multipliées à travers le monde. Mais en proportion, en fait, ça revient au même. Il nous rappelle aussi que, par exemple, dans les années 20 à Chicago, il y avait énormément de voitures électriques. Donc ça, c'est quelque chose qui est présenté comme un des futurs possibles de cette transition énergétique, mais qui appartient au passé et qui a cohabité avec d'autres types d'énergie. Et donc tout ça pour dire que plutôt que parler de transition, lui, il aurait tendance à proposer une utilisation intelligente des différentes sources d'énergie. Se dire que le pétrole, c'est une énergie hyper efficace qui permet de produire beaucoup de travail, en fait, avoir une production importante avec peu d'énergie. Et dans ces cas-là, il faut plutôt l'utiliser pour des grandes infrastructures plutôt que l'utiliser, par exemple, pour une voiture où une voiture consomme beaucoup de pétrole pour juste transporter notre pauvre corps de 80 kg ou de 50 kg en fonction de qui il s'agit. Donc voilà, c'est en tout cas, c'est un peu l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'une énergie n'en exclut pas une autre. Et c'est voilà, le petit apport de cette carte. Ouais. Donc la deuxième notion qu'on souhaitait un petit peu mettre en lumière, c'est la connexion physique, disons profonde, entre l'économie, et donc cette croissance économique dont on souhaitait parler ce soir, et les questions énergétiques et environnementales. C'est-à-dire le fait que les évolutions en fait des cycles économiques sont intrinsèquement liés en fait à un appétit énergétique ou à un régime énergétique variant, et du coup c'est réellement profondément une connexion entre combien d'énergie rentre dans le système État ou le système monde, et la quantité en fait de flux économiques qui va en découler. Et ensuite, on peut faire une connexion tierce, qui est celle de l'environnement, de l'impact environnemental. C'est-à-dire qu'en fait, cette quantité d'énergie qui a été mise en œuvre, mise en action, activée mondialement, elle aura aussi, de manière directe, de par la définition même de l'énergie, sa capacité à transformer son environnement, la quantité d'énergie qu'on aura mise en circulation va d'autant plus transformer l'environnement. Donc il y a un lien intrinsèque entre ces trois entités que quelquefois la rhétorique dominante a tendance à nous faire oublier, notamment avec cette idée d'une possible décorrélation entre l'économie et notre, par exemple, impact carbone ou notre appétit énergétique. La troisième notion qui vient finir un petit peu ce cycle d'intro, c'est en fait la corrélation ou la décorrélation entre le revenu en fait des ménages et le sentiment de bonheur ou de satisfaction. Donc là, on peut voir un schéma qui montre les ménages aux États-Unis entre les années 50 et aujourd'hui. Leur niveau de salaire moyen et la proportion de la population qui se considère comme heureuse. Et on peut voir qu'en fait, à partir d'un certain seuil, évidemment, en dessous d'un certain seuil, il y a un lien profond, un lien fondamental entre ce que vous allez pouvoir ou pas consommer, vous nourrir, vous héberger, etc. Et à un certain moment, en fait, lorsqu'on dépasse ce palier, il y a une décorrélation assez étonnante entre le revenu et le pourcentage d'une population qui se considère satisfaite ou heureuse. Voilà, donc en fait, du coup, sur cette base, sur ces intuitions, sur ces premières notions, on a vraiment démarré en fait tout un travail de recherche, notamment à travers une résidence à l'Université de Californie à Irvine, il y a un an et demi, où nous avons décidé du coup de rencontrer des chercheurs, des activistes, des penseurs dans tout un ensemble de départements et de champs de recherche disparates, c'est-à-dire aussi bien dans le champ des sciences humaines, dans l'ingénierie, dans les sciences appliquées, en anthropologie, etc. Et avec cette même question, en venant étudier à la fois ces liens entre les crises environnementales et la croissance, et en venant étudier aussi les notions, les récits qui pouvaient venir nous accompagner vers une sortie ce moment historique. Donc on a mené tout un ensemble de rencontres et d'entretiens qui ont abouti à des capsules vidéo assez courtes, où on est venu en fait prélever des notions
ou des concepts clés qui nous semblaient intéressants de faire circuler au-delà de ces champs d'expertise ou au-delà de ces, ces segments académiques qui souvent sont très isolés et ne circulent que très peu dans le public. Donc je vais vous montrer deux extraits de ces différentes interviews. Le premier est avec Rose O'Leary, qui est une spécialiste ou chercheuse sur les connaissances autochtones en Amérique du Nord. The seventh generation principle is often attributed to many different North American indigenous peoples. However, I think you will find some version of it if you ask or if you communicate with different indigenous nations on Turtle Island. You can find the instantiation of the seventh generation principle amongst many, if not most or all, peoples on Turtle Island. So the seventh generation principle is just that any time that someone makes a decision, they should think about its impact seven generations into the future and make that decision mindfully and with care and responsibility for the health and welfare of the seven generations into the future. The seventh generation principle also can be applied more broadly and often is. For instance, as a Washaji or Osage person, as a child, I was taught that whenever you are harvesting plants or animals, but particularly plants, you should always leave seven plants for every one that you pick. And that's to make sure that the plants also have regeneration capacities for their seven generations into the future. So in that way, we're not just thinking about the human seven generations into the future, we're also thinking about all of life on this earth and its seven generations into the future in recognition that we need that balance in order for all of us to survive. Voilà, donc c'est une des notions qui est utilisée dans les prises de décision collectives et politiques ancestrales et encore aujourd'hui dans les communautés autochtones, notamment nord-américaines. Juste pour vous montrer un petit peu le spectre des... problème de câble ou bien juste pour montrer le spectre des différents types d'interviews. Un interview avec Bill Tomlinson qui lui vient plutôt d'un champ autour de l'étude critique des technologies. Non, il veut pas. Attends, on peut essayer. Eh bien, on va l'écouter. Non. Ouais. Non. Je crois pas. Ok, donc je pourrais revenir à cette notion un petit peu plus tard. C'est bon. Over the last number of... C'est pas très grave. On réécoutera ça dans quelques secondes. Over the last number... Et donc, suite à ce travail de résidence et tout ce corpus de recherche, la phase suivante était réellement comment en fait rendre tout ce contenu en fait activable et comment le mettre en circulation dans la société pour qu'il puisse être approprié et aussi être reçu, être utilisé en dehors du champ d'expertise duquel il a émergé. Ah, super. Youp, donc on va pouvoir l'écouter. Over the last number of years, and several of my colleagues and I have been working on a couple of different topics that interrelate. One is collapse informatics and another is computing within limits. Both of them focus on the idea that industrial civilization as we currently know it is potentially creating the conditions for its own failure or making the viability of its own ecosystems and its own ways of existing, calling them into question. And so both collapse informatics and computing within limits are exploring aspects of that problem of sort of ways that we can use novel forms of computing and ways that these set of ideas affect the computing industry and the research community.
to be able to bring about new kinds of computing systems that might allow us as a civilization to more effectively engage with these sets of issues. So, for example, collapse informatics was focusing on building systems in the abundant present for use in a future of scarcity. And computing within limits has been looking at the notion that industrial civilization is typically very much growth focused, and the computing industry situated within industrial civilization is also tends to be growth focused. However, there might be new kinds of computing that could arise that could support a degrowth or an anti-growth type of direction for civilization, with the broad sense being that that will either be something that we go into voluntarily by transforming civilization into something that is not so growth focused, or something that will be thrust on us involuntarily as civilization potentially begins to collapse around us over the next couple of decades. Donc l'hypothèse derrière l'informatique de l'effondrement, c'est vraiment que calculer l'informatique dans son ensemble n'a jamais été aussi peu cher qu'aujourd'hui. Et qu'en fait, on est dans un moment historique où c'est étonnamment en fait, peu cher pour plein de raisons, et notamment pour des raisons qu'il y a énormément de coûts qui ne sont pas assumés par... ni par l'acheteur, ni par les sociétés. Mais du coup, voilà, sur l'idée que l'informatique n'a jamais été aussi peu chère, c'est que peut-être on est dans un moment historique qui ne va pas durer très longtemps, et qui peut être un moment opportun pour réfléchir à des systèmes, peut-être même certaines fois à simplifier des systèmes, à les rendre plus robustes, les rendre plus versatiles, etc., pour un avenir potentiel où faire de l'informatique sera peut-être beaucoup plus compliqué et où on aura peut-être besoin d'outils plus stables, plus robustes et qui peuvent durer très longtemps, des choses comme ça. Donc c'est vraiment l'idée de lancer un chantier en fait, dès maintenant pour penser à des outils qui pourraient aider dans une période de l'après, disons, bulle pétrole où toutes les marchandises sont très bon marché aujourd'hui. Et donc, comme je le disais juste avant, en fait, suite à toute cette recherche, on s'est intéressé à comment faire circuler en fait ces notions, comment les activer et comment aussi en faciliter le débat, l'appropriation, etc. Et c'est là qu'on a mis en place tout un ensemble de méthodes et de moyens pour donner corps en fait à ce corpus de notions. Donc l'un des moyens évidents, c'est une plateforme en fait de ressources sur lesquelles toutes ces vidéos sont accessibles, les prototypes de jeux, etc. Ensuite, on a aussi développé des choses plus clairement matérielles, comme ce qu'on appelle les objets éloquents. C'est un ensemble d'objets et d'expériences physiques, matérielles, qui ont pour but en fait de venir matérialiser des notions, des ordres de grandeur qui sont très durs, dont il est très dur de se saisir à travers uniquement du texte ou des chiffres ou des tableaux. Et donc, ce qu'on peut voir derrière nous, par exemple, c'est la notion d'esclave énergétique de Buckminster Fuller qui a été matérialisée dans des objets. Donc, je vais vous expliquer un peu. Buckminster Fuller, dans les années 40, en fait, s'est posé la question de comment exprimer la quantité immense en fait d'énergie que consomme un Américain moyen pour que ça fasse sens et pour que ça arrive à évoquer des ordres de grandeur pertinents dans un public plus large. Et donc il est venu avec cette notion d'esclave énergétique en utilisant le mot esclave de manière assez critique pour justement donner corps à la quantité faramineuse d'énergie qu'on utilise. Donc l'idée, c'est qu'un esclave énergétique, selon lui, c'est la capacité de travail humain, de labeur physique humaine sur une journée. Et donc le train de vie d'un Américain moyen utiliserait chaque jour, à son époque, dans les années 40, à peu près 150 esclaves énergétiques. C'est-à-dire pour se transporter, se chauffer, fabriquer les meubles, les vêtements, tout ce qui nous entoure, tout ce qui fait notre niveau de confort actuel. Et donc aujourd'hui, si on transposait un petit peu cette notion d'esclave énergétique, on serait plutôt entre 4 et 500 esclaves énergétiques par Européen moyen. Pour la même chose, c'est-à-dire fabriquer ce canapé, cette scène, tous ces projecteurs, le chauffage, qui, voilà. Tout ce dont on bénéficie en termes de société et dans cet ordre de grandeur.
Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de vraiment matérialiser ces ordres de grandeur hallucinantes sous forme en fait d'objets. Donc là, on a des briques de pétrole qui correspondent à qui sont l'équivalent énergétique de durée de travail humain. Donc c'est la même quantité d'énergie que ce que peut fournir un corps humain sur des durées précises. Donc on a la toute petite au-dessus qui est une heure de travail humain, donc c'est 19 centilitres de pétrole. Et après on a toutes les unités, un jour, une semaine, un mois, etc. Et derrière moi, là, on a une année qui est une trentaine de litres de pétrole, donc c'est à peu près un demi-plein de voitures, on va dire. Ça, c'est une année de labeur physique, 8 heures par jour, etc. Et donc l'idée avec cette série de projets et de mise en de matérialisation, c'est vraiment de donner d'autres manières en fait d'entrer dans ces questions et dans la perception de ces registres de problématiques. On a aussi tout un champ d'expérimentation qui prennent quasiment la forme de laboratoire, qui là est plutôt pour justement mettre en action les recherches scientifiques, donc vraiment utiliser les méthodes de calcul, les méthodes de comptabilité environnementale, des modèles mathématiques, etc. Mais les faire parler ou les faire communiquer entre eux, etc. pour faire émerger justement d'autres perspectives critiques, nous permettre de voir en fait des paradoxes, des zones d'ombre dans la manière dont on comprend aujourd'hui les logiques écosystémiques. Donc l'exemple qu'on a derrière nous, en fait, c'est une culture hors sol d'un mètre carré de blé, sur laquelle on mesure en fait tous les flux entrants et sortants, pour plein de raisons, notamment pour se rendre compte en fait de quelle est la quantité en fait d'énergie dont dépend un mètre de culture en espace extérieur en fait fourni par l'écosystème d'habitude, et aussi pour voir les limites de cet imaginaire de culture hors sol qui est en train d'émerger aux quatre coins du monde comme une réponse aux crises climatiques et à l'insécurité climatique actuelle. Et on essaie de montrer avec ce système à quel point en fait la viabilité économique en fait de ces cultures hors sol est complètement basée sur le faible coût des énergies fossiles aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui on ne paye quasiment pas en fait l'énergie fossile, c'est quasiment insignifiant en fait le prix qu'on paye un litre de pétrole. C'est une des raisons fondamentales en fait pour laquelle ce type de modèle complètement aberrant en fait d'un point de vue énergétique peut être viable aujourd'hui. Donc c'est un système qui vient en fait se mettre au croisement entre plein d'angles morts de notre système contemporain et qui essaie d'en révéler quelques notions quelquefois absurdes ou éloquentes justement. Ensuite, évidemment, il y a tout un panel, un pan en fait, sous forme d'exposition de ces différentes recherches. Donc là, c'est l'exposition dont parlait Marie Leschner tout à l'heure, qui est l'exposition en cours en ce moment à IMAL, qui est un centre d'art à Bruxelles, dans lequel on a déployé différentes parties de ce projet, ainsi que la partie jeu qu'on présentera tout à l'heure. Je vais laisser la vidéo tourner 20 secondes. Voilà, donc là c'est la salle avec ces fameuses briques de pétrole. Enfin de bitume pour être plus précis. Voilà, et donc comme on va le voir ce soir, on s'intéresse aussi aux méthodes de facilitation, c'est-à-dire comment en fait des recherches artistiques de ce type-là peuvent exister en dehors de l'espace purement artistique ou purement culturel, et de quelle manière, en tant qu'artiste et chercheur, on peut trouver en fait d'autres espaces et d'autres modes de circulation pour des propositions de ce type-là. Donc par exemple, là on voit une expérience qu'on a fait à Tours, à Bourges peut-être, oui Bourges, dans le cadre de Human Tech Days, qui était une rencontre autour de l'univers des start-up et de l'innovation, et justement où on venait questionner sur ces notions.
Donc ensuite, on s'est aussi rendu compte que tous ces concepts, toutes ces notions, elles ne circulent pas vraiment en dehors du champ académique aussi, parce qu'elles souvent, elles n'ont pas d'image, en fait. Elles n'ont pas de surface visible, elles n'ont pas de proxy qui permettent de les capter en dehors du pur registre littéraire. Et du coup, on s'est intéressé à faire vraiment un effort de mise en forme et d'illustration, tout bêtement, en fait, de chacun de ces concepts pour leur donner corps et faciliter en fait, leur capacité à circuler et à être appropriés, à être mémorisés, etc. Et donc, on peut vous présenter un petit peu quelques-unes de ces notions. C'est les notions qu'on va essayer de mettre en jeu ce soir et d'activer à travers le jeu que Julien va présenter dans quelques minutes. Et je crois que Clémence voulait présenter, par exemple, la notion de plantation. Oui, qui a disparu là tout de suite, mais c'est pas grave, vous le verrez. Enfin, certains d'entre vous l'auront. Ah oui, c'est ici. Oui, donc après sur les cartes, on retrouve à chaque fois les concepts qu'on essaye d'illustrer par un objet. D'ailleurs, quand on était aussi à Tours, on avait ces objets physiques pour pouvoir parler. Par exemple, plantation, je crois qu'on l'avait un peu représenté par une bouteille d'huile de palme, en fait. Et pourquoi est-ce que c'est important pour nous d'intégrer la notion de plantation? C'est parce que la plantation, en fait, c'est l'aboutissement de l'exploitation intensive de la terre vue comme une ressource. Disons que ça fait très longtemps que l'agriculture existe, qu'il y a un processus de domestication entre humains, céréales, plantes, etc. Mais à partir vraiment les débuts de la mondialisation, de la colonisation des Amériques, se met en place ce système de plantation, qui est un système qui est un système de monoculture qui va s'étendre à la planète entière et qui simplifie complètement un milieu écologique. C'est-à-dire que là où on avait des cultures agroforestières, où on avait différents étagements biologiques, par exemple, différents types d'espèces qui existaient, là, on va avoir une seule espèce, notamment, ça commence avec la canne à sucre, actuellement, ça existe toujours avec la banane. Donc, des plantations où on a un champ qui va être carré, délimité de manière la plus pratique possible, avec des lignes de cette espèce qui pousse. Et pourquoi est-ce que c'est en ligne, en fait? C'est tout simplement pour laisser la place, d'abord aux esclaves, en fait, de passer, parce que la plantation, c'est la colonisation des Amériques, mais aussi le commerce triangulaire qui se met en place et qui ramène cette force de travail de l'Afrique. Et donc, c'est pour laisser les esclaves passer. Ensuite, ce sera le bétail. Et ensuite, aujourd'hui, ce sont les grosses machines qui passent à travers ça. Et donc, là où c'est important, c'est qu'en fait, à vouloir rentabiliser et transformer aussi un champ en une sorte d'actif économique, voire financier, on l'a donc complètement simplifié, mais on l'a aussi énormément appauvri en termes biologiques et génétiques. Et ce fait que maintenant, ces champs sont aussi la proie d'énormément de maladies, de parasites, etc. Et c'est pour ça qu'on est obligé de compenser par exemple des OGM, des intrants ou des pesticides pour compenser la pauvreté en tout cas de ce modèle biologique. Donc c'est pour ça que ça nous semblait important de rappeler aussi un peu son histoire. Voilà, et d'un autre champ, je peux présenter par exemple la notion de négatechnologie qu'on a là. Au milieu, et c'est cette idée, en fait c'est une réponse au culte de l'innovation et du solutionnisme technologique, c'est-à-dire que chaque problème, chaque friction dans la société doit être solutionné à travers une nouvelle technologie, une nouvelle invention, un nouvel artefact, un nouveau système qui vient par-dessus la complexité existante. Et donc cette notion de négatechnologie, c'est le fait de penser comme l'a fait la notion de négawatt dans les années 90, en proposant de penser les objets et leur consommation non plus à travers les watts qu'ils utilisent, mais les watts qui permettent d'éviter d'utiliser. Là, la négatechnologie, en fait, invite à penser, lorsqu'il y a un problème, quelque chose peut-être à adapter, à développer, penser en quoi il peut éviter d'utiliser plus de technologies, ou en quoi il peut être un support pour simplifier l'infrastructure technologique, la rendre plus solide, plus légère, etc. Un exemple assez concret, c'est par exemple une gourde comme on a ici. En fait, c'est d'une manière symbolique, c'est une forme de négatechnologie dans le sens où cet objet en fait évite d'en utiliser bien d'autres.
tout un ensemble d'autres, et aussi toute l'infrastructure qu'il y a derrière ces autres objets. C'est-à-dire que derrière une bouteille comme ça, ça veut dire que c'est des centaines de bouteilles comme ça qui vont venir remplacer celle-ci, et toute une infrastructure en fait, qui permet à ces bouteilles d'arriver jusqu'à nous. Donc cette notion de négatechnologie est assez stimulante en fait, dans le champ notamment de l'ingénierie et des TIC, technologies de l'information et de la communication. Voilà, et donc on va juste finir sur la transition avec le jeu. Donc pour aller plus loin, l'idée c'était vraiment qu'à un moment donné, on souhaitait trouver des formules aussi pour inviter les gens à débattre, discuter de ces questions, et eux-mêmes en fait se forcer à penser en fait quelles sont les implications non seulement personnelles mais aussi sociales, urbaines, politiques en fait de ces enjeux, et quel effort ça demande aussi de sortir en fait de remanipuler notre imaginaire en fait pour créer une place à ce que pourrait être un équilibre en dehors d'une logique croissantiste. Ce qui est assez compliqué parce qu'en fait, tout notre système de valeurs, tout notre environnement a été construit pour valider et pour, récompenser les personnes qui sont des gagnants dans ce système-là, en fait, et qui sont des champions du système de la croissance, du plus, de l'expansion, etc. Donc c'est assez dur, en fait, de trouver les figures, les logiques, le vocabulaire, les ordres de les systèmes de valeurs, etc., qui pourraient être pertinents dans un après-croissance. Donc l'idée de ces jeux, c'est une étape pour essayer de faciliter ce type de discussion et ce type de projection. Donc on va passer la parole à Julien. Oui, bonsoir. Donc, comme disait Nicolas, le principe de s'attaquer à de nouveaux modes de circulation et à travers le jeu, surtout on s'est attaqué à fabriquer un matériel pour pouvoir jouer et pour pouvoir mettre en action ces notions-là. Et on va faire tout à l'heure ensemble l'expérience d'une adaptation tout à fait particulière autour du jeu. Mais derrière, sur l'écran, vous pouvez voir une autre mise en œuvre ludique de médiation qui avait donc été faite en région Centre-Val de Loire pour un événement qui s'appelait Human Tech Day et qui avait été pensé avant le confinement et le Covid. On peut y voir donc des cartes et des objets et en fait un mode d'interaction entre nous et les gens. Hein, qui semble un petit peu menacé aujourd'hui. Donc, on cherche avant tout, à travers ce dispositif, de créer du matériel de jeu, de continuer l'archivage aussi de ces notions, de continuer l'illustration, de continuer la mise en circulation aussi de ces choses-là. Et puis, on cherche de la même façon des contributions assez fréquentes pour pouvoir, et on vous invitera à contribuer en toute fin de session, sur ce qu'on a nommé prototype, on a différentes manières. Et l'idée aussi dans cet archivage, c'est aussi dans la diffusion qu'on l'a pensé reproductible, imprimé en noir et blanc, et donc imprimable, reproductible chez n'importe quelle personne qui voudrait pouvoir mettre en œuvre ou ne serait-ce que prendre connaissance du travail de collecte. On s'est énormément attaché en fait au... En tout début de l'été, on a travaillé sur un ensemble de schémas qui sont des représentations très orthodoxes de la croissance économique dans un aspect cyclique, avec très peu de limites en fait à cette représentation assez graphique des choses, de comment on s'exprime en tous les cas
la croissance. Et à travers ce travail, on vous a scotché, vous devez avoir devant les yeux une carte qui est en fait un plateau en même temps qu'une boussole, et qui est le résultat un petit peu de ce travail exploratoire et qui présente notre version aussi de des 10 piliers de ce qu'on a appelé les piliers de la croissance économique ou du capitalisme, qui est lui-même associé à un vocabulaire et qui est également limité par un autre vocabulaire qui s'y oppose et qu'on a regroupé dans un cercle. C'est aussi dans la volonté de jouer avec sa tête, avec ses mots, avec son vocabulaire, essayer de trouver une autre grammaire, trouver quelque chose aussi qui nous permette de définir le futur pour pouvoir dépasser en fait cet état de fait qui nous paraît comme, ou en tous les cas, qu'on nous envoie comme étant indépassable, quitte à devenir des Amish. Pour pouvoir régler les problèmes des défaillances de notre petit monde. Je vais vous inviter peut-être à vous intéresser à l'enveloppe que vous devez trouver sur votre table. Alors, avant toute chose, j'ai un message de sécurité. Alors, vous êtes quelques-uns par table. Malheureusement, il n'y a qu'une seule personne qui va pouvoir manipuler le stylo, qui va pouvoir manipuler l'enveloppe et qui va pouvoir manipuler le contenu de l'enveloppe. Ce n'est pas la première règle du jeu, à proprement dit, mais c'est une règle de consensus liée à l'adaptation très spécifique qu'on a fait de ce dispositif pour cet événement qu'on veut public. Donc, à l'intérieur de l'enveloppe, vous devez trouver un formulaire et trois enveloppes. Alors, je vais vous expliquer, vous balayer un petit peu ce qu'on va faire. C'est un petit dispositif pour pouvoir partir un petit peu de ce qu'on a, nous aussi, pressenti, que la croissance économique, et très largement l'économie, en fait, est liée à des objets, les objets qui nous entourent, nos habitudes. Et donc, on va essayer de repartir d'un endroit très, très intime, d'un objet, d'interroger votre sentiment par rapport à cet objet, votre connaissance, votre reconnaissance. Donc, vous allez trouver des questions dans ce questionnaire auxquelles on vous invite à répondre pour préparer aussi en toute fin un récit pour essayer d'imaginer ce que deviendrait cet objet. Je vous... Donc, l'idée, c'était donc d'ouvrir l'enveloppe numéro 1, dans laquelle il y a l'objet. Ouais. Vous aurez un objet qui est nommé dans cette enveloppe et qui sera votre guide pour remplir ce questionnaire normalement individuel qui, là, va être par groupe. Il va être discuté. Bon, on apprécie que ça puisse être discuté. On espère que vous arriverez à le faire avec confort et masque. Mais oui, tout à fait. Du coup, vous avez environ 10 minutes pour pouvoir argumenter entre vous, questionner cet objet, questionner les questions, questionner les questionneurs, et ainsi de suite. Donc l'objectif de cette première partie est bien de remplir le questionnaire. En rapport avec l'objet que vous avez découvert dans l'enveloppe numéro 1. Quel sentiment ?
Vous avez des questions peut-être? Ah,
on parle d'attachement. Mais spontanément, je dirais. Moi, spontanément, je pense qu'il y a des liens. Je dirais que ça dépend de ce qu'il y a des chaînes. Mais clairement, si moi, je n'ai pas accès à des sens du jour, ça ne va pas être un appareil que je vois. Mais clairement, quand on vit dans un environnement dépendant des sens, c'est du jour au lendemain, l'exemple qui ne se fait plus, le sens qui nous tombe, je vais être très, très appliquée. Moi, je ne conduis pas, donc déjà dans l'utilisation quotidienne, je prends des bus, mais la plupart à Paris sont des énergies électriques. On va dire que sur ces derniers mois, là, on va parler de la réponse actuelle, mais sans vraiment identifier. Là, c'est dans ces lignes sur Paris. Moi, à Paris, mais au Canada, c'est sûr qu'on l'utilise plus. Je pense que c'est un peu plus. Ouais, clairement, après, c'est plutôt des lignes américaines. Et donc, tu penses à la voiture, du coup, peut-être ponctuel, juste quand tu prends ta voiture. Ouais. C'est toujours la suite. Ouais, la voiture. Ça, te représente un peu la vie. On a très bien fait de choisir ce mot. Mais franchement, je pense que c'est le mot clé. Je dirais que l'objet en tant que tel, non. Mais son utilisation absolument essentielle. Au fonctionnement de la vie tous les jours. Là, je pense à la femme. À la nana, que j'ai demandé l'année dernière. J'aime beaucoup la nana. Franchement, avec une alternative, c'est... Oui, en fait, tout dépend de l'alternative. Moi, je veux bien essayer un an, déjà. Même si c'est un peu à la mode en ce moment, je pense qu'il devait y avoir d'autres cartes, c'est pas avoir d'énergie verte, quoi, et vraiment c'est pas de Qu'est-ce que ça veut dire, moi, ça veut dire forcément actuellement, en tout cas, sur un siècle, et sur l'échelle de la vie humaine, c'est ridicule, un siècle. Mais sauf que, là, du coup, je pense que c'est quelque chose qui est... Je pense qu'on prend notre échelle. Non, moi j'ai l'impression d'avoir dessiné avec le sens. Non, mais le plastique, c'est du pétrole, non? Et puis il y aura bien quelqu'un qui fera un remède avec un 5 à 10 ans.
cet objet peut viser une région du monde. Ah, c'est comme le chien. On vous laisse encore 2-3 minutes pour terminer la phase 1 du formulaire. Et après, je vous expliquerai la suite. Non, Deliveroo, c'est d'ailleurs, c'est pas UK, c'est Royaume-Uni, non? C'est pas anglais, là. Je sais pas, c'est un anglais, j'en sais rien. Il semblait que c'était anglais, mais ok, non, vas-y, quelle distance l'objet de ses parcours pour venir à moi? 10 km, 5 km, 1000 km, plusieurs fois, la tour de l'eau. Plusieurs fois, tout le monde, en tout cas, ça. Tu manges des matériaux. Oui, des noms, qu'est-ce qu'on fait d'énergie est-elle nécessaire pour produire cet objet? Une heure de travail humain, une journée de travail humain. Même quoi. Je pense que c'est bien. Est-ce que du coup, beaucoup plus. Tu n'aurais pas jusqu'à. Vu de nez, quelle quantité d'énergie est nécessaire pour les acheter? Même un enfant dit. Ah bah on a en il y a du parti d'économie, on a le travail, ça travaille dans yes. Do you know people? Non, alors. Ouais, ouais. Est-ce que dans l'ensemble, vous êtes arrivé à la fin de la première page? Non. Très bien. Alors on vous laisse 2 minutes. Bien, je vous invite à tourner le questionnaire, une fois qu'il est rempli, bien sûr, et à vous saisir de l'enveloppe marquée numéro 2. Que la livraison de trucs, c'est vraiment... Quelle est la durée de vie de ce projet? Alors, pour plus de simplicité pour cette phase, je vous conseille de dégager le plateau que vous avez sous probablement votre questionnaire, les enveloppes. Puisque vous devez découvrir dans l'enveloppe 2 trois cartes qui sont des cartes de concept qui ont été peut-être présentées ou peut-être pas. Comme expliqué en haut de la deuxième face du document,
Nous vous invitons à prendre connaissance du contenu, bien sûr, des cartes concept, hein, et de discuter le contenu de chacune des cartes en rapport avec votre objet et les liens que ce concept entretient avec l'un des piliers du capitalisme qui se trouve être sur le plateau. Et en quoi ces trois concepts en tension aident-ils à définir des axes prioritaires pour repenser votre objet ? Ou en tous les cas, pour identifier les trois axes ou plus de tension qui peut exister entre votre objet pour pouvoir le penser dans le futur ? En quoi ces concepts proposent-ils un nouvel éclairage permettant de penser le futur souhaitable de cet objet ? C'est une très courte consigne de 5 minutes, et après je vous explique la suite. Bien, on me conseille de vous repréciser qu'il faut essayer de chercher à poser les cartes en relation avec les piliers. Hein, la consigne est écrite en haut de l'affiche, mais une précision à l'oral m'a été fortement conseillée par mes compatriotes. Donc je vous la donne. Si vous avez des questions, je pense que c'est le moment. Thank you.
Chacun va se rendre sur un zone. Les trois devaient aller sur le même. Je voulais que chaque garde sur un truc. C'est pas la suite de l'occasion. Je ne veux pas les faire passer sur le plateau, mais je veux que ça soit dans une société qui va être là. Chacun de ces concepts par rapport à l'objet que vous avez, et ensuite regarder les différents piliers et voir comment, en rapport avec cet objet et le concept, quel est peut-être le pilier qui est le plus actionné par le. Alors peuvent désormais se superposer l'endroit où vous êtes et la prochaine consigne que vous trouverez sur la. Le document. Une fois les cartes placées, imaginez votre objet dans une société sans pétrole, qui vivrait une prospérité sans croissance, mais que deviendrait-il? Quelle fonction pourrait-il encore remplir? Ou à quoi laisserait-il la place? Laissez vagabonder votre imagination et inventez les nouvelles habitudes, les relations, les expériences et les intérêts de son absence, ou que sa transformation susciterait. Vous avez un petit cadre en bas du document et on vous invite à réfléchir par groupe quand c'est possible à un court récit qui trouvera un moment de restitution dans une dizaine de minutes. Et ce court récit spéculatif et un petit peu imaginaire doit tenir dans une minute. Est-ce que c'est clair ? C'est clair. En rapport avec l'objet se rapproche peut-être plus de l'un de ses piliers. Donc, l'idée, c'est après de, c'est certainement que ces concepts se rapprochent, peuvent s'apparenter à plusieurs de ces piliers, mais peut-être de voir lequel est le plus saillant pour essayer de faire ressortir les enjeux qui, principaux qu'il peut y avoir autour de votre objet, et donc après pour pouvoir projeter donc, par exemple le futur dans une société sans pétrole. C'est ça. Est-ce que vous pouvez utiliser certains leviers, peut-être penser ne plus utiliser cet objet et avoir cette fonction d'une autre manière? Alors, je suis en train de complètement et mais voilà, en gros c'est ça. Est-ce que c'est plus clair? C'est oui, super. S'il vous plaît. Merci. Merci. Bon, en tout cas, on était bien, mais par contre, ça va être compliqué de se positionner sur en tout cas un majeur là-dedans. Peut-être m'aider à redéfinir ce terme.
l'extraction du coup de matière première. Oui, j'imagine que c'est ça. Et du coup, le prolétarisation, c'est plutôt le prolétariat entre les cultures, c'est le. Ils sont bien avec le prolétariat ou en tout cas les. L'urbanisation, automatisation. Oui, en fait, c'est ça, c'est la baisse de niveau d'accès à l'éducation et à la. C'est une grande œuvre. En fait, disant. On se laisse encore 2-3 minutes pour éventuellement terminer les récits et après on passe à la phase finale.
Ça ralentit surtout le rythme dans le bon sens, ouais, c'est ça, voilà. Et je pense que là, du coup, c'est un peu plus une approche de durabilité à des projets et leur impact au long terme, court terme, moyen terme, tout ça. Alors que je pense que si voilà, enfin, c'est voilà, si on. Pop, 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 comme vous voyez derrière moi, il y a un minuteur qui va vous donner droit de pouvoir raconter votre récit, le partager. Nous, c'est une contribution qu'on a non seulement envie d'entendre et qui, j'espère, vous aura un peu amusé. En une minute, donc il y a quelqu'un qui va circuler avec un micro et l'une des personnes à table, ce fameux médiateur, manipulateur, parleur, écriveur, Covid, va être en charge de pouvoir raconter le récit. On va commencer de manière très très aléatoire par l'avocat. Est-ce que quelqu'un a eu l'avocat ? Non. Si, si, c'est. Ah. Attendez, j'ai oublié quelque chose. Vous avez une enveloppe 3. Vous pouvez ouvrir l'enveloppe 3, toutes les tables. Excusez-moi, monsieur l'avocat. Dans l'enveloppe 3, vous découvrez des cartes qui font référence à un jeu assez connu qu'on appelle le loto ou le bingo. Je vais repréciser les règles, hein, assez simple. Vous avez sur cette carte 5 mots. Si pendant l'un des discours, l'un des récits, l'un des mots apparaît, vous avez le droit de le cocher. D'accord ? Quand vous avez les 5 mots, vous pouvez crier bingo et remporter un lot. Au-delà de l'aspect un peu trivial de cet exercice, c'est aussi de voir si notre intelligence collective a réussi à emmagasiner assez de vocabulaire, de grammaire et de notions pour pouvoir retraduire de manière très efficace la réalité. Excusez-moi, j'avais complètement oublié. Monsieur l'avocat, je suis tout oui. Donc, j'ai supposé que c'était le fruit. Hein. Moi, j'avais les cartes esclaves. Enfin, du coup, je suis tombé sur les. J'ai classé mes cartes et je suis tombé sur territoire, frugalité et puis régénération. La question de l'avocat qui vient du Mexique pose. Alors, il faut utiliser les mots. C'est comme Franck Lepage, d'accord. Bon, ça, je ne savais pas faire. Donc, la question, c'est ce passé du transport qui est, et de cette culture mondialisée,
de cette mondialisation. Donc je pense que la seule solution, c'est soit de faire pousser des avocats dans notre environnement, je ne sais pas si c'est possible, et sinon c'est de s'en passer. Enfin, moi je suis arrivé à cette... Donc plutôt la frugalité. Si je réponds. Hop. Merci beaucoup. Pas de bingo. Je vous reprécise ici que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mots que vous avez sur votre feuille de bingo. Ce n'est pas une obligation, même s'il est possible que ça soit une forte incitation. Voilà. Je vais appeler à la barre le chargeur USB. Ouais. Bonsoir. Donc nous, on a eu le chargeur USB. On va directement à la fin, c'est ça, directement au récit. Donc nous, on a pensé directement recyclage et détournement. Ça devient un objet accessoire de mode, type bijoux. Ça devient un jouet, mini croquet. Ça devient aussi un petit pot de fleurs. On peut mettre une petite graine et après ça pousse, on le plante, c'est sympathique. On a vu aussi marché noir, parce qu'en fait, il n'y en a plus, c'est les seuls qui restent, donc ça devient genre Mad Max, tout le monde se bat pour en avoir. Et voilà, ça devient un objet rare, super recherché. Merci beaucoup. Autour du lait. Qui a... Ah, mesdames. Ah, pardon. Alors, donc, pour le lait, nous, on s'est dit que... On est parti plutôt sur le lait de vache. Et donc, on s'est dit que sans contenant, eh ben, le lait, ça devient une production tout à fait locale. Donc, il n'y en a plus que dans les fermes, donc en ville plus personne ne boit de lait, et dans les fermes ça devient un échange de troc en circuit court, consommation par contre sur le court terme où il faut le consommer très vite, et voilà, et sinon essayer de trouver des transformations et des conservations un peu différentes sous d'autres formes, plus ancestrales, donc faire du beurre, de la crème pour que ça se garde un peu plus longtemps, voilà. Merci beaucoup. Internet. Ah, c'est... Non. Oui, c'est moi qui parle. C'est moi qui écris, donc c'est moi qui parle. Alors, bah, Internet, évidemment, sans pétrole, il faut trouver d'autres sources d'énergie. Et puis, on a aussi établi qu'il fallait penser à d'autres matières premières, d'autres matériaux, pour construire de nouveaux outils, ce qui suppose beaucoup d'innovation en réalité par rapport à ce qu'on a. Évidemment, ça c'est pour horizontaliser notamment la question du Nord-Sud, de l'utilisation mondiale des ressources de certains pays, au détriment de leur propre économie et de leur population. Il faut aussi, nous a-t-il semblé, penser non plus à des outils individuels comme nos smartphones ou nos laptops ou des choses comme ça, mais plutôt à des outils collectivisés, ce qui suppose une alliance, ce qui suppose une communauté, ce qui suppose un partage. Et puis, chose très importante, une régulation internationale avec contre le profit et contre la déréglementation et une prévention des risques par un observatoire de la médiation et une régulation juridique basée sur la responsabilité personnelle et collective. Merci beaucoup. L'essence. Est-ce que quelqu'un a eu l'essence là-bas ?
Alors, pour ce qui est de l'essence, on a eu du mal à synthétiser son essence, justement. Le mot-clé, ça a été l'ambiguïté, parce qu'on a tous un rapport, on est tous dépendants de son utilisation. Et on a vu que ça touchait les trois grands piliers principaux de la mondialisation, de l'extractivisme et de la croissance infinie, entre autres. Et qu'on a beaucoup parlé et qu'on n'a pas beaucoup eu le temps en fait, d'élaborer peut-être un futur éventuel, la dernière étape de ce jeu. Mais on imaginait un monde sans essence qui, du coup, ramènerait des échanges à plus petite échelle. Donc on parlait de commerce local, on parlait de circuits courts. Je parlais des co-op en général, comme un business model un petit peu plus durable. Mais je suis un petit peu à court de mots, je ne vais pas vous mentir. Je vois qu'il reste 11 secondes, maintenant 10. Bientôt plus. Donc voilà, en fait, c'est le secret. Il faut parler des secondes qui restent pour que ça passe un petit peu plus vite. Aucun souci. Je souhaite bon courage à la prochaine personne. Merci beaucoup. Autour de la bouteille en plastique. Alors pour la bouteille en plastique, alors c'est très compliqué sans pétrole vu que plastique, donc il n'y en aura plus. Donc il faudra penser à peut-être remplacer les matériaux, donc des bioplastiques éventuellement, et sinon changer complètement le matériau du contenant, etc. Et c'est vrai que... je perds mes moyens. On a pensé, du coup, comme vous parliez, des gourdes, changer matériaux, donc en fait passer à une méga technologie, une méga innovation. Je réinvente des mots en plus. Ça ne sera pas sur le bingo, mais tant pis. Et donc du coup, bon, ça dépendra surtout des contenants. C'est vrai que la bouteille d'eau, c'est surtout, enfin la bouteille en plastique, on pense surtout au transport de l'eau. Il faudrait réfléchir à des sources d'eau potable, éventuellement des choses où c'est en plus grosse quantité et le contenant serait individuel en fait finalement. Voilà, et la bouteille en plastique pourrait devenir presque un objet archéologique puisqu'il mettrait beaucoup de temps à se désintégrer et on pourrait le retrouver dans la nature. Voilà. Merci beaucoup. J'appelle la trottinette électrique. Bonjour. Alors, concernant la trottinette électrique, on en est arrivé à la conclusion que c'était juste inutile dans un monde avec une prospérité sans croissance et sans pétrole, parce que pour nous, c'était juste un effet de mode, cette trottinette électrique, parce que le pic d'innovation en termes de transport individuel, en termes de frugalité, de pérennité, d'égalité entre les gens, avait déjà été atteint avec le vélo. Et donc... que même le vélo avait commencé à se désindividualiser avec les systèmes de vélos partagés, de Vélib. Donc, en fait, on ne pouvait même pas reprocher un individualisme au vélo. Donc, on a essayé de réfléchir à comment, du coup, rendre cette trottinette électrique plus durable. Donc, on s'est dit qu'elle devait se recharger toute seule avec une dynamo, comme les mobilettes avant, qu'elle devait être créée avec des matériaux locaux. Donc on a pensé au bois, mais on n'est pas sûr que ce soit très résistant. Et ensuite, on s'est dit qu'il faudrait qu'elle soit du coup réparable facilement, donc pour éviter une surproduction de trottinettes ou une obsolescence programmée de trottinettes. Voilà. Merci beaucoup. C'est tout. Café ? Café, pardon. Bonsoir. Alors, dans un monde sans pétrole, le café ne s'exporterait plus, donc il serait bu de manière locale, encore dans les Amériques. Et il y aurait l'émergence de plein d'autres pratiques pour compenser l'apport qu'il a dans l'énergie qu'il amène, le boost énergétique, et dans le rituel, parce que le café, c'est quand même un rituel, le matin, seul, ou bien entre amis, ou à la pause café, qui porte d'ailleurs le nom de pause café... C'est assez parlant. Il y aurait l'émergence de nouvelles choses locales, comme le guarana, comme le thé, dans les pays où on le fait pousser, comme peut-être la chicorée en Europe. Des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs. Voilà, on découvrirait peut-être des choses qu'on n'a plus l'habitude de boire. Et puis, il y aurait des productions locales, donc des nouvelles productions. Ce serait des choses plutôt pas mal dans ce sens-là. Voilà. Merci.
C'est OGM. Pardon, smartphone. Qui est smartphone? Ah, oui. C'est aussi possible que comme on est des tables vides, il n'y ait pas de smartphone. Donc, je vais appeler la forêt. Qui est la forêt? On n'a pas zappé. Alors, avec la fin du pétrole, on retourne aux basiques. La guerre du feu succède à celle de l'or noir. Et l'humain renforce son emprise sur les zones encore boisées où les espèces, où les rapaces de la finance font feu de tout bois pour remplacer le pétrole. Et la surproduction de bois de chauffe entraîne la déforestation massive dès la première année post-pétrole. Les États interdisent donc tout abattage d'arbres et sanctuarisent les forêts qui restent sur la planète. Et on est donc forcément plongé dans une ère de frugalité pour les humains, mais les animaux retrouvent un petit peu leurs droits sur ces espaces. Ainsi, le chant des oiseaux devient l'indice étalon de l'économie planétaire, car il est impossible à automatiser. Et donc, ça devient le meilleur indicateur de la bonne santé des forêts, le commun dont on ne peut laisser l'humain seul gardien. Voilà. Je suis désolée, je t'écoute. Merci beaucoup. Le papier toilette. Donc, bonsoir, je suis vraiment ravi d'être l'émissaire de ce bel objet. Je crains que ma présentation soit bien moins construite que la précédente, mais bon. Du coup, ouais, nos réflexions par rapport au papier toilette, c'est... On s'est dit que c'était quand même quelque chose qui était nécessaire dans son but, au final. On aurait quelques petits problèmes hygiéniques et peut-être pas complètement liés à la décroissance. Et dans notre culture, est-ce que c'est nécessaire de trouver un moyen alternatif là-dessus? On n'est pas sûr. Par exemple, au Japon, avec leurs toilettes ultra connectées, pour pallier à ce problème, est-ce que c'est vraiment dans l'air du temps décroissant, etc. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, dans la mode de production, peut-être revenir à quelque chose de local, fait en recyclé, mais bon, c'est des choses qui existent déjà. Après, je ne suis pas expert sur ce sujet, malheureusement. Mais je pense que c'est quand même des alternatives qui existent déjà et qu'on peut déjà être actif là-dedans. Et que le fait qu'une société sans pétrole, etc., il n'y a pas besoin de se projeter là-dedans pour être actif dès maintenant sur ce sujet, en tout cas. Merci beaucoup. C'est autour du blé. Ah, tu. Qu'est-ce qui... Allez, c'est moi. Le blé. Oui, alors pour nous, c'est un aliment de base qui a une place assez centrale dans notre société, que ce soit... actuellement, mais historiquement déjà. Donc on imagine un avenir plutôt prospère, déjà parce qu'il a une fonction nourricière. Mais un petit peu comme le lait énoncé tout à l'heure, on imagine peut-être une culture plus locale qui serait... qui permettrait de distribuer cet aliment de base de manière plutôt régionale, qui serait presque peut-être effectivement une monnaie d'échange avec d'autres produits cultivés localement également. Et cette culture locale permettrait peut-être aussi une consommation plus raisonnée du fait qu'on a un rapport direct avec la production et ainsi avec la quantité également qu'on produit de cet aliment. Voilà. Merci. Le sac de livraison Deliveroo. Ah, derrière toi. Oui, bonsoir. Alors du coup, on a eu le sac de livraison des Deliveroo et ça a provoqué des réactions assez diverses au sein de notre groupe puisque ça a inspiré la faim et l'appétit chez certains des membres et chez d'autres le dégoût et le rejet. Pour ma part, en ayant préparé, enfin, dans un bar, en ayant donné à des livreurs, j'aime pas trop cet objet.
Alors pour en revenir à sa fonction, dans un futur proche, on a imaginé plusieurs usages, à nouveau divers. Un système de cercueil en fait, pour transporter les cadavres. Des briques, en fait, en les remplissant pour en faire des matériaux de construction. Un banc isolant, voilà. Et sinon, le laisser donc, à sa fonction première, c'est-à-dire la conservation des aliments, mais se débarrasser du système qui va avec Deliveroo, donc l'application, l'exploitation, la précarisation, le racisme, ne pensez à cocher. Et on a bingo. Et peut-être mettre en place une forme de cuisine collaborative et coopérative. Donc on pourrait imaginer que les gens cuisinent ensemble et conservent les aliments ensemble sur des modèles peut-être plus sociaux et de partage. Merci. Merci beaucoup. C'est au chat domestique. Pardon ? Ah, il y a des bingos ! Ah, il faut crier bingo ! Ok, ok. Bon, allez, bravo ! On applaudit les bingos ! Ok. Les lots des bingos vous seront révélés en toute fin. Mais je tenais quand même à vous faire applaudir, c'est quand même important. C'est au chat domestique, pardon. Pas de chat domestique ? Ok. C'est donc au manuel scolaire. Pas non plus. Le jambon sous vide. Alors, nous, pour le jambon sous vide, dans un cadre de prospérité sans croissance, déjà, on a imaginé des scénarios qu'il faut prendre en pensant le respect des convictions de chacun. Voilà. Donc, on se disait, dans un monde sans croissance, on pourrait tous avoir des cochons de compagnie, puisqu'ils serviraient plus à avoir du jambon. Donc ça nous permettrait d'éviter le compostage, de faire du recyclage des déchets avec grâce aux cochons en fait. Et donc voilà, en ville, donc le cochon de compagnie dans la campagne, ce serait chaque famille, mais en ville, ce serait donc des cochons communs. Donc voilà, il faudrait penser à des espaces partagés, des zones. Ça permettrait aussi d'éviter la solitude, donc voilà, avec des nouveaux contrats de retraite, vieillissez avec votre cochon. Mais ça engagerait aussi des problèmes, c'est-à-dire des nouveaux conflits domestiques, une nouvelle diversité génétique. Oui, c'est ça. Des nouveaux rapports donc entre les humains et les cochons. Ça pose la question aussi de la relocalisation des abattoirs. Ouh là là là. Et il y a aussi une partie d'arc. Donc voilà, l'abandon des cochons, le combat entre cochons et des cochons anthropophages. Voilà. Parce qu'ils seraient lâchés dans la nature et donc. Et ben, comme ils n'ont jamais vu le jour dans la production intensive, ils se retrouveraient donc à manger tout ce qui bouge. Merci beaucoup. C'est à la voiture autonome. Bonjour. Alors, on a tiré la voiture autonome. Je pense que la première différence avec les autres mots qui ont été tirés avant, c'est le fait qu'elle ne fasse pas forcément partie de notre quotidien. C'est quelque chose que j'ai jamais eu. On entend par voiture autonome une voiture sans permis. Et du coup, un futur sans voiture autonome, c'est quelque chose qui serait potentiellement très envisageable de par peut-être son inutilité, on va dire. Et cette idée de devoir nous créer des besoins qui sont toujours plus approfondis, qui ne sont pas forcément nécessaires. Donc, peut-être une alternative, ce serait la voiture sur rail, qui nous donne aussi peu de libre arbitre dans nos décisions et dans nos choix de parcours, au profit d'une pseudo-sécurité. Voilà. Merci beaucoup. À l'avion. À l'avion. L'avion. Pas d'avion.
Alors, une banane? Alors, pas de banane. Alors, l'huile de palme? Ah, là-bas. Alors, le problème avec l'huile de palme, c'est que on a considéré que l'exploitation des endroits où elle est produite, surtout en Asie, n'était pas un problème parce qu'on ne prend pas en compte la réduction de biodiversité et que le transport n'est pas cher. Et ça en a fait un produit de consommation de masse qui n'est pas cher et qui est partout. Et si on inversait ça, si on prenait en compte la biodiversité et les autres externalités, ça changerait tout. Ça changerait tout selon les zones. Localement, ça pourrait continuer à être utilisé. Mais là où ce n'est pas une production locale, ça deviendrait très rare, donc très cher. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y aurait un jour par an le Memorial Day de l'huile de palme, on pourrait encore manger du Nutella et se maquiller. Et le reste du temps, on devrait trouver d'autres solutions comme les cookies liquides, puisque l'huile de palme a le gros avantage d'être solide à température ambiante. Donc on aurait des cookies liquides à l'huile d'olive ou de tournesol qu'on shakerait avant consommation. Merci beaucoup. Ton grille-pain? Pas de grille-pain? Le masque jetable? Si, là. Oui, bonsoir. Alors, donc, nous, on est tombé sur le masque jetable. On a estimé que l'être humain aurait encore besoin de se protéger. Et donc, on a imaginé un principe, non pas de biomimétisme, mais plutôt de collaboration du vivant. Et on a écrit ceci. Les femmes et les hommes ont appris à s'hybrider avec d'autres représentants du vivant, capables de tisser une membrane protectrice, très respirante, transparente et hydratante. Cette membrane les protège en cas d'attaque de virus. Cet échange est bénéfique pour les deux parties, puisque ces êtres vivants se nourrissent des bactéries rejetées par notre souffle. Donc voilà, c'est un cycle en fait. On ne profiterait pas de ces êtres vivants. Voilà. Merci beaucoup. On en est. Vélo. Pardon ? Le vélo. Ah, bingo ! Pardon. Ouais. Bravo. Et quelques bingos. Voiture. Ok. Vélo, non. L'IA. Juste nommé. Non. Ah, si. On n'a pas eu grand-chose à... Enfin, on a beaucoup débattu parce que pour identifier réellement ce que c'était et comment ça nous touchait pour se projeter dans un monde sans pétrole, sans IA, c'est une notion tellement abstraite qui dépend de beaucoup de choses. On était un peu flottante. Du coup, je pense qu'il faudrait accepter de l'imprévu, parce que l'IA, c'est tout ce qui prévoit nos vies, et il faudrait pouvoir s'adapter beaucoup plus facilement. Peut-être qu'il y a quelque chose à ajouter. Ok, merci. Merci beaucoup. Ouais, et... Est-ce que tout le monde est passé ? Quel était votre... Ah ben le bah tout, bah oui, il est juste là. Le coronavirus. Nous avons eu la chance de voir cet objet le plus fashion du moment. Très mode. Merci. Ouais. Ouais. Très très mode. Et, donc objet compliqué parce qu'en fait c'est peut-être un des rares objets de la liste qui n'est pas ni un objet de désir ni un objet conçu par l'homme. Jusqu'à preuve du contraire. Et il est compliqué parce qu'en fait, il a une échelle microscopique et pourtant, il s'étend à une vitesse folle à l'échelle macroscopique, enfin ultra-macroscopique. Donc, à quelle échelle le prendre et comment considérer l'état du monde
dans cette échelle, à la fois micro et macro. Donc ça rend l'objet très compliqué. Comment vivre sans, ben on savait faire. Maintenant, ben sans ça, ben on enlève les masques, on fait tomber les masques, on se roule des palos, et c'est la belle vie. Néanmoins, ça pose des questions vis-à-vis de la décroissance et d'une question qui ne sont pas tant pour moi énergétiques que épistémiologiques et, je dirais, sensibles. Ce que ça nous renvoie le plus, ce n'est pas tant, à mon avis, un problème de critères énergétiques. C'est ce qui était à la fin de ton diagramme, que tu as passé trop vite, le joli cœur qui était tout à la fin du diagramme, qui n'a pas de flèche remontante. Et on l'a vu passer. Là-dedans, il y a beaucoup d'énergie en fait, potentielle. Bon, on ne sait pas trop la mesurer. Néanmoins, c'est peut-être, à notre avis, avec la solidarité, reconsidérer la transmission des arts et des sciences, de réussir à se reposer la question comment retrouver une forme de commun sensible et de solidarité qui fasse un peu moins d'intérêt sur l'ensemble du diagramme. Et, voilà. Et pour finir sur un bingo, j'espère, évidemment, ça pose la question de la résilience médicale. Enfin, bingo, ça, non ? Résilience médicale, résilience humaine vis-à-vis de cette chose macroscopique. Posons-nous la question, mais surtout sur des questions sensibles, et à mon avis, un peu moins énergétiques. Merci beaucoup. Cette petite transition informelle peut-être peut nous amener à quelques interactions avec la salle, en fait, si vous avez des retours, des questions, des commentaires. Comme on le disait, en fait, c'est la toute première fois qu'on teste ce jeu, et d'autant plus sous cette forme, puisque en contexte Covid, on a été obligé de l'adapter et de le tordre un peu de manière étrange, ce qui est intéressant aussi. Mais ça peut être chouette d'avoir des retours, des questions, ou même des questions sur la première partie de la conférence, si vous avez envie. Donc on peut prendre un petit moment. Je ne sais pas, Marie, combien de temps on peut se permettre? 5 ou 10 minutes, peut-être? Ouais, entre 5 et 10 minutes. Donc s'il y a quelques questions, on a le temps de les prendre. Pour ceux qui ont eu des bingos, il y a des jeux de cartes complets qui sont disponibles au devant de la scène, que vous pourrez venir prendre. Et pour les autres, il en restera sans doute aussi. Voilà. Peut-être. Bonsoir. Moi, j'avais une question qui est liée strictement au jeu. Et à quoi servent les objets qu'on a vus dans les photos sur l'exposition? Je crois qu'il y avait des objets sur un événement que vous avez mené avant le Covid. Il y avait des objets sur la table. Je voulais savoir à quoi ça servait. Les objets sont un petit peu... Bon, là, on les a formulés sur des cartes, les objets, mais on mobilise aussi des histoires, des interactions avec ces objets-là. On les a reliés, c'est des illustrations, des concepts, en fait. Et donc... Clémence parlait tout à l'heure de la bouteille d'huile de palme, par exemple, pour pouvoir définir la plantation. Donc c'est encore une autre forme d'illustration et une autre forme de déclencher des histoires, déclencher du récit, en fait, activé par des objets. Mais ils ne sont pas connectés, ils sont juste connectés à nous et au contenu. Ça, c'est OK ? Oui, on s'est aussi rendu compte, en fait, que là, c'était dans un contexte vraiment de meeting de... autour de l'innovation, des startups, etc. Les gens ont une qualité d'attention super basse et passent d'un stand à l'autre, etc. Et on était à un endroit assez stratégique là au milieu, et donc les objets servaient aussi vraiment d'excuses à créer des connexions et aussi un peu de proxy très ancré dans le réel, dans la vie de tous les jours. Qui venait en fait créer l'excuse à lancer une discussion et ensuite à tirer la ficelle et aller vers des choses beaucoup plus complexes. Donc on a gardé un peu ce principe d'objet là dans les questionnaires qu'on a fait, mais voilà, ça a émergé de ce contexte-là. Du coup, vous allez récolter comme ça beaucoup de récits et d'idées, et je me demandais si vous alliez en faire quelque chose.
On n'a pas vraiment anticipé pour l'instant la forme que pourrait prendre ce corpus de récit. Donc c'est vraiment la première phase, en fait, hein, le test qu'on fait ce soir. On a appelé ça prototype cette session, puisque les trois rencontres à la Gaîté seront vraiment des laboratoires où on va essayer des choses autour de ce projet. Et donc là, c'est une première. Par chance, ça a été enregistré, donc peut-être que ces récits pourront être extraits et peut-être mis en forme. Mais en effet, on y a un petit peu pensé. Et bon, c'est vrai que comme là, c'est une première et qu'on va récupérer, on est déjà très, très content que vous ayez participé. On espère que ça vous a plu. Et en effet, on cherche quand même des contributions. Et donc, ces contributions spéculatives sont des documents qui nous intéressent aussi. Merci. Moi, j'ai une question aussi. Enfin, je... en fait, en faisant le jeu et en voyant la manière dont était posée la dernière question, par exemple de société sans pétrole, sans croissance, où il y a déjà l'idée de prospérité, il y a déjà l'idée que c'est mieux, quoi, en fait. Et je me demandais comment justement éviter, en fait, comment réussir à trouver des récits sur le c'était mieux avant, donc effectivement, on est tous sur le local, les circuits courts qui ont leurs propres choses compliquées à régler. Donc, en fait, comment se projeter sans revenir, pour éviter de revenir aux amis, on va dire. En fait, je me demandais comment on pouvait articuler ça mieux avec les concepts pour pas qu'on bascule dans ce... dans ce type de réflexe, en fait. Alors, moi, à titre personnel, quand même, l'ambition et l'objectif, en fait, c'est d'essayer aussi de sortir de ce vocabulaire-là, quoi. C'est-à-dire que, du coup, on en fait déjà une collection, un dictionnaire, tout un ensemble de notions, de concepts qui sont un peu épais, par moments. En fait, bon, dans d'autres types de mise en œuvre de prototypes, l'idée, c'est aussi de sortir de ces mots-là. Enfin, aussi de sortir de... ouais, de notre manière de définir les choses aussi. Et donc, du coup, bah, on fait des essais, on adapte, on s'adapte, on essaie de trouver des biais pour pouvoir, en effet, éviter ces lieux communs, éviter des oppositions trop franches entre les amis chez la 5G, par exemple, des grands écarts, quoi. Mais en effet, il y a avant tout... à l'intérieur de cette recherche sur le jeu, une recherche sur le mot et la grammaire de comment expliquer, comment définir. Donc on en a touché du doigt un tout petit peu, hein, là, pendant une courte session d'adaptation, avec ses propres règles, voilà. Mais on espère qu'en effet, on va trouver. Oui, et c'est de là que, en fait, c'est cette idée, cette espèce de binarité entre retour en arrière et... ou fuite en avant, évidemment, c'est pas là que ça se situe, en fait, notamment dans ce qu'on est en train de tous, ce dont on est tous en train de faire l'expérience, hein, c'est que les changements qu'on est en train de vivre sont assez profonds, imprévisibles et globaux, en fait. Et donc, du coup, un espèce de retour à un passé idéalisé est évidemment pas une option. Et c'est là où c'est assez compliqué, et c'est là où c'est très ça met à défaut, en fait, nos capacités de projection, quelque part. Et c'est peut-être justement l'objet de ce type de recherche, de projet, et puis l'objet de la prochaine décennie dans ce qui va se déployer politiquement et socialement autour de nous, c'est d'arriver à penser un après qui n'est pas forcément du plus grand, plus vite, plus gros, plus rapide, etc. Et d'arriver à trouver d'autres articulations, d'autres équilibres, etc., qui ne sont pas simplement un retour en arrière, ni un laisser-aller dans une inflation énergétique et consumériste. Donc, du coup, c'est un espace... qui est un espace de réflexion et de laboratoire dans le champ politique, intellectuel, social, activiste, etc. En ce moment, il y a des micro-espaces où ces choses-là s'inventent, se testent aussi. Hein, comme, vous avez tous entendu parler des différentes ZAD, etc. La question peut se poser si ces endroits-là sont...
ou pas un indice de tendance ou de glissement possible pour la société. En tout cas, voilà. Et peut-être pour ajouter très rapidement, je pense que d'abord, avant de pouvoir en effet pouvoir se lancer dans des récits prospectifs beaucoup plus complets ou qu'au moins manichéens quelque part, il faut d'abord pouvoir engranger et pouvoir faire circuler aussi ces notions-là pour qu'elles soient comprises, appréhendées et que même des mots isolés sur une feuille de bingo soient un peu plus clairs, qu'on ait des enjeux et puis partir de choses beaucoup plus petites comme des objets ou des... Ouais, ou des choses du quotidien, en fait, bah, peut-être que ça nous permettra d'extrapoler en fait, ces choses-là. Donc, on parle bien d'étape initiale, un petit peu. Merci. On peut prendre une dernière question. Oui. Ouais, en fait, moi, je voulais savoir à quel moment vous étiez sûr que votre liste de cartes concept était exhaustive, ou si tous les jours vous dites « Merde, faut qu'on rajoute celle-là », etc. Et si aussi vous aviez pensé à mettre des cartes ouvertes pour que les gens qui participent ajoutent leur propre concept. Oui, très bonne question. Du coup, c'est un corpus en travail, en cours, en fait. Donc du coup, là, c'est, on va dire, une espèce de synthèse d'un ensemble de concepts, outils ou concepts opératoires dont on a pris connaissance ou qu'on a compilé, collecté depuis un an. Et c'est quelque chose qu'on... En fait, là, c'est, je ne sais pas, un dixième de choses qu'on a collectées, qu'on a choisi de mettre en forme temporairement aujourd'hui, enfin, en ce moment... et qui va s'étendre, se déployer, etc. L'idée, c'est aussi bien le module que vous avez sur la table de fond de carte que ce set de cartes à jouer. C'est vraiment des briques ou des composantes qu'on va essayer d'activer sous forme de jeu ouvert. En fait, il y aura différentes manières de les activer, de les mettre en relation, etc. On va organiser tout un ensemble de game jam, donc des sessions justement de réflexion sur comment créer du jeu et stimuler en fait du débat et de l'activation de ces notions-là. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir tout un ensemble de kits ouverts qui vont aussi être disponibles pour la traduction, la contribution, pour se les réapproprier, etc. Potentiellement, qui auront aussi d'autres vies que celles qu'on leur a données, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent circuler dans d'autres endroits et être appropriés, détournés, etc. Aussi, dans la manière de diffuser le projet, possiblement des cartes et des choses comme ça, c'est destiné à être un PDF partageable, donc enrichissable, dont on a la possibilité de traduire, de changer. Et puis, fatalement, nous aussi, on a fait des choix graphiques, textuels. Tout ça, c'est discutable. En fait, et c'est un petit peu aussi comme ça qu'on a pensé le matériel de tous ces prototypes. Cool. Je vous propose de poursuivre encore la discussion au foyer historique, si vous le souhaitez. Et j'espère qu'on se retrouve le 8 octobre pour la deuxième séance. Et je vous dis aussi juste un très rapide mot sur un autre cycle qui se poursuit à la Gaîté, qui est le Design Fiction Club, et qui a une version complètement dématérialisée cette année, autour qui sera sur les traces de la banlieue du futur et qui va se passer dans l'application Telegram. Et ça commence le 30. Donc toutes les infos, vous pouvez les trouver sur le site de la Gaîté. À très bientôt, j'espère. Alors, et pour tous les bingo gagnants et les autres, hein, vous pouvez venir chercher une affiche.